1944, j'avais 22 ans. J'habitais dans la rue Sainte-Eugénie avant. Et je travaillais, moi, à cette époque-là, j'étais ouvrier plombier, moi. J'ai appris le métier de plombier ailleurs, parce qu'on est resté très longtemps ailleurs, on a habité, mais moi, je suis né à Marseille. En 1943, j'avais 21 ans, et c'est là où il est arrivé le malheur. Parce qu'en 1943, j'ai été pris par les Allemands pour être dirigé vers l'Allemagne en qualité de service obligatoire du travail. Un matin, je vais pour ouvrir le restaurant, parce que je travaillais dans un restaurant à cette époque-là. Et vers les 10 heures du matin, sur le vieux port, je vois passer deux ou trois Allemands armés, casqués. Quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'il y avait du mauvais pour moi. Et j'ai dit pourvu qu'ils ne rentrent pas, puis malheureusement, ils sont rentrés. Et ils m'ont demandé les papiers, donc j'ai donné ma carte d'identité. Ils l'ont gardée et ils m'ont dit venez la chercher à 5 heures. Donc j'avais tout compris, c'était pour partir en Allemagne, ça. Donc j'ai averti mes parents, on a préparé la valise et je me suis trouvé à 5 heures à la rue Honorat. Et départ du train pour le Dievitzhafen. Et là, j'ai passé 18 mois parce que, à part les bombardements, Ludwigshafen et l'usine ont été bombardés, rasés, complètement rasés. Moi, quand je suis parti de Ludwigshafen, je marchais sur les décombres, moi. Ça, c'est incroyable. C'est pourtant, c'est réel. Je peux vous le raconter parce que je l'ai vécu. On a marché sur les décombres, les collègues, ceux qui se sont échappés, disons, ceux qui ont réussi à passer à travers la mort. Par contre, moi, j'ai passé 8 fois à travers la mort. 8 fois à travers la mort. Parce que j'ai subi plus de 100 bombardements. Et les bombardements, croyez-moi que c'est démoralisant. Ça vous met à plat, complètement. Et on se dit toujours, on va y rester. On va y rester un jour, on va y rester un jour. Et ça vous travaille. En plus de ça, il faut aller au travail, obligatoire. Enfin, une vraie vie d'esclave pour un jeune de 21 ans. Parce que moi, les bombardements, ils m'ont jamais lâché. Je les ai encore maintenant. Je ne regarde même pas la guerre d'Ukraine parce que je l'ai passée. Et je sais ce que ces pauvres gens, ils souffrent. Et alors, comme j'ai toujours dit que je ne voulais que personne ne le passe, ça, il faudrait aussi que ça ne s'étende pas plus que ça. Voilà, parce que dans la vie est belle, il faut la profiter. Toutes ces guerres, ça ne sert à rien. Ça sert à démonter le monde, ce n'est pas beau. À détruire la fraternité des gens, voilà, ça c'est ignoble là, d'ailleurs. Moi, je trouve ça absurde, c'est pas bon du tout.